La fête des commerçants, c'est une fête qui rassemble à la fois les commerçants qui ont un magasin à Maison Lafitte, sur l'avenue de Longueuil, dans les autres rues de la ville, et également les artisans qui travaillent de chez eux. Ça leur permet d'avoir, une fois dans l'année, pignon sur rue, de pouvoir rencontrer leur clientèle et de gagner de nouveaux clients. C'est vraiment un événement familial, c'est vraiment marqué cette volonté-là. Il y a des animations qui sont vraiment pour les enfants, spécifiquement pour les enfants. Il y a la pêche à la ligne, il y a des sculpteurs sur ballon, il y a maquillage. Après, il y a des balades en calèche, il y a un maréchal ferrant et une parade des poney club. C'est vraiment centré sur la famille. Je pense que ce qui était essentiel en toute objectivité aujourd'hui, c'était de ramener des animations et de la vie. Les gens avaient vraiment besoin de ça. Je pense que tout le monde est content. Et c'est un peu une nouvelle époque qui s'ouvre. C'est très sympa, c'est bien organisé. Il y a pas mal d'animations. Ça permet de passer une bonne journée, quoi, de faire un pique-nique le midi et de profiter un petit peu de toutes les activités qui sont prévues, quoi. On a pu voir le maréchal Ferrand, la fanfare, les chevaux. C'est pas simplement, je dirais, une fête, c'est la valorisation de nos commerçants à l'égard des Mansoniens. C'est très important. Et à un moment où, effectivement, petit à petit, nous sortons de la pandémie. C'est le sens de cette fête qui va donc bien au-delà. C'est relever les défis à un moment où la France en a beaucoup besoin.